On commence avec l'image du jour. Une question pour vous, Catherine, Cécile, et pour tout le plateau. Quel est le point commun entre ces trois femmes, selon vous? C'est assez facile, normalement, pour la femme de gauche et la femme de droite. Plutôt la femme de droite. Alors, regardez bien, toutes les trois sont Miss. Vous avez reconnu Eve Gilles à droite, la Miss France 2024. À gauche, Miss Monde 2024. Et au milieu, Miss Retraitée 2024. Elle se nomme Françoise, elle a 86 ans. Et elle vient d'être élue la plus belle retraitée de France. On la voit ici en photo dans son tailleur rose bonbon aux côtés de Jean-Claude, 71 ans. Élu Mister Retraité lui aussi. Le concours a été organisé il y a quelques jours en Seine-et-Marne, entre différents EHPAD d'un grand groupe de maisons de retraite français. Et il s'agit de la seconde édition. Catherine nous a donné envie d'aller la rencontrer. Et Zidane, notre reporter, s'est rendu dans son EHPAD pour faire connaissance avec elle à l'heure du goûter. Je vous préviens, Françoise était très impressionnée par notre caméra, plus que par l'élection de Miss Retraité. Françoise, Miss Retraitée, je vous ai rapporté vos crêpes. Merci. Je vous souhaite un bon appétit. Oh là là. Voilà pour vous. Vous êtes Miss France. Françoise, Miss France. Non. Si. Françoise, comment elle est dans son quotidien? Elle est magnifique, elle est douce, elle est pleine de vie malgré tout. Elle a eu une histoire merveilleuse. C'est quand même la première femme ingénieure sur les satellites en France, chez Matra. Il y a un message important derrière cette élection et ce moment qu'ont vécu. C'est plusieurs centaines de personnes qui ont candidaté. C'est pour le groupe de maisons de retraite qui organise ça. Cette élection, c'est l'occasion de mettre en lumière la beauté des seniors, leur donner du plaisir sur une journée et surtout les valoriser, des beautés souvent mises de côté par la société. C'est un peu comme votre défilé de la semaine dernière. Lorsqu'elle a été élue par ses pairs, elle a fondu en larmes, voilà, des larmes de joie. Elle était très émue. C'est un moment incroyable qui change du quotidien de la résidence. C'est un moment où les résidences sont mises en valeur. Ça montre également que dans nos EHPAD, dans nos maisons, il y a de la vie et la vie continue. Il y avait plusieurs centaines de candidats et candidates. L'année prochaine, il y en aura beaucoup plus, bien évidemment, parce que ça a marché et tout le monde veut se présenter désormais. Mais c'est sur quels critères? C'est sur les critères de... Du volontariat, déjà. Du volontariat, déjà, mais aussi l'attitude, la beauté, la posture et surtout le parcours de vie aussi. Et la couleur. Oui, elle est magnifique en rose. Le Mister retraité beaucoup plus jeune, non? Oui, 71 ans. Ah ouais, voilà. Ah ouais, ça me fait gamin. Le mot du jour, pied. Oui, et là, c'est un sujet beaucoup plus sérieux pour les artistes français. Catherine, Cécile, voici une photo de pied. Vous allez me dire pourquoi une photo de pied? Parce qu'il s'agit des pieds d'une personnalité très célèbre qui a été une grande chanteuse. Il s'agit des pieds de Lily Allen. Alors pourquoi je vous les montre? Vous allez me dire parce qu'à cette heure-ci, voir des pieds, on n'a pas très envie. Parce que la chanteuse britannique a eu une idée absolument incroyable. Elle a montré ses photos de ses pieds manicurés et elle a dit que ces photos lui rapportent beaucoup plus d'argent que ses musiques depuis plusieurs années, depuis qu'elle a ouvert un compte sur une plateforme pour adultes dédiée aux fans. On n'a pas le droit de donner le nom. Ce réseau social est très connu aujourd'hui, il est américain et des personnalités peuvent gagner de l'argent en postant des contenus érotiques ou fétichistes par exemple. Pourquoi elles font cela? Parce qu'elles gagnent mieux leur vie avec ces photos grâce à ce site pour adultes. Ça paraît incroyable, mais c'est ce qu'elle a avoué sur son compte X, anciennement Twitter. Elle dénonce ainsi le système de rémunération des artistes des plateformes musicales. 10 000 $ par mois. Il y avait un article, une enquête dans la Tribune Dimanche ce week-end. 10 000 $ par mois pour Lily Allen, c'est ce qu'elle gagnerait sur cette plateforme. 2000 fois plus que sur Spotify, Deezer ou Apple Music, malgré ses 7 500 000 abonnés. Chaque titre diffusé ne lui rapporte que quelques centimes. On parle de 0,2 centimes par titre écouté par les spectateurs. Cette pédicure qu'elle a retrouvée sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est sa conseillère pédicure qui lui a donné. Elle lui a dit « poste ces photos et tu gagneras d'argent ». Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et là, je me retourne vers Anne-Elisabeth, puisqu'on a recherché si Anne-Elisabeth était sur les réseaux sociaux. Et on a trouvé, sur la plus grande plateforme de réseaux sociaux de pédicure, eh bien, les photos de Babette qui étaient postées. Et regardez cette note absolument incroyable de Babette. Elle a 5 étoiles. Vous savez que Babette, que vous avez la même note que Lily Allen, on ne donne pas le titre, bien évidemment. Non, mais c'est pas moi qui bonnétise les pieds. Non, on a compris. C'était... Attention, c'est pas du tout Babette. C'est qu'il y a des fans des pieds de Babette qui postent ça sur les réseaux sociaux. La même note que Lily Allen. Voilà, ça nous a fait rire, même si on ne donne pas le site, bien évidemment, ni la plateforme. Un truc à dire, Patrick? Oui, le nombre d'étoiles, c'est la taille des pieds ou c'est... La beauté, mais j'ai des petits pieds. Moi, je ne vous regarderai plus jamais de la même manière. Et je vous remercie. Elle a du 37. Mais exactement. La bonne taille, disait Coluche, c'est quand les pieds touchent le sol. Eh bien, c'est mon cas.
Vous avez des plus beaux pieds que Émilie Tralenguyen, qui a seulement 4,5 étoiles. C'est n'importe quoi. Mais je vais les monétiser, ça suffit cette histoire. J'en ai marre de perdre de l'argent.